Pure People dévoile le tout premier épisode de sa nouvelle émission exclusive en privé avec qui a pour invité Benjamin Castaldi. L'animateur, ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste mais aussi homme de théâtre avec la pièce Bungalow 21, revient sur ce jour de septembre 2002 au cours duquel il a épousé Flavie Flamand. Une union grandiose et qui ne leur a presque rien coûté. Benjamin Castaldi n'a pas été l'homme que d'une seule femme et il ne s'en cache pas. Dans le premier épisode d'Aine privée avec, la nouvelle émission exclusive de Pure People qui lui est consacrée, l'animateur de 53 ans se confiait sur sa vie professionnelle mais aussi sa vie personnelle. Avant d'épouser sa femme Aurore, qui lui a offert un magnifique petit garçon prénommé Gabriel, Benjamin Castaldi s'était marié à 3 reprises. D'abord avec Valérie Sapienza en septembre 1993, la maman de ses 2 grands garçons Julien et Simon nés en 1996 et 2000, puis Flavie Flamand en septembre 2002, avec qui il a eu son fils Enzo en 2004, et enfin Vanessa Broussoulo en novembre 2011. Benjamin Castaldi et Flavie Flamand ont vendu leur mariage à un magazine connaissant le pouvoir médiatique du couple qu'il formait avec Flavie Flamand, Benjamin Castaldi avait capitalisé dessus. Son mariage avec l'animatrice ne lui a presque rien coûté et il a surtout coûté très cher comme il nous l'a confié. Pour vous dire, pour ce mariage, il y avait des hélicos, 47 ou 48 gardes du corps pour garder la propriété. On a demandé aux invités de laisser les portables au vestiaire. Pas de film, pas de photos à part les photos officielles parce qu'on était tellement angoissés qu'il y ait une photo. Mais si est-il une connerie parce qu'aujourd'hui, déclare d'abord Benjamin Castaldi. On a vendu ça à un magazine qui n'existe plus. Je pense qu'on leur a pris tellement d'argent qu'ils ont déposé le bilan. Qui s'appelait Hola. Après ils ont fait Olala, rire. On avait vendu 980 000 francs, ce qui avait permis de payer ce mariage absolument incroyable de princesse, ajoute-t-il. Ils se sont dit oui à la mairie de Bougival. Dans les Yvelines, le mariage de Benjamin Castaldi et Flavie Flamand a été célébré le 21 septembre 2002 à la mairie de Bougival. Ce jour-là, l'animateur portait un costume noir 3 pièces avec une chemise blanche, sans cravate. Son épouse était sublime dans un tailleur blanc. Ses cheveux blonds étaient relevés et coiffés avec des ondulations. Après cette union civile célébrée à la mairie de Bougival, Benjamin Castaldi, Flavie Flamand et tous leurs invités ont pris la direction du château de Grousset, à Montfort-l'Amaury, à moins d'une heure de route de Bougival toujours dans les Yvelines. Cette fête qui ne leur a donc presque rien coûté avait regroupé 500 personnes. En plus de leurs proches, Benjamin Castaldi et Flavie Flamand avaient convié tout le PAF pour célébrer leur amour. Malheureusement, leur mariage n'aura finalement duré que quelques années. Le couple s'est séparé à la fin de l'année 2006 et leur divorce a été prononcé 2 ans plus tard. Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention pour epeol.com.